الهريبة مولا مصلحتنا. وقتها كيف رح نثبت براءتنا؟ ليش ما عم تفهم؟ هالمكان وسيع ومعبى جرس. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Tara Méditerranée? Je veux savoir. Tara, c'est le nom du bateau. Oui. Et Méditerranée, c'est parce que le bateau, il fait un tour en Méditerranée. Ah. C'est un bateau d'expédition scientifique. Ah. On vient de Barcelone. Après, on remonte encore. Vers Angleterre. Après, on finit en Bretagne, à Lorient. Ok, voilà. Bienvenue. Merci. Et bon voyage. Merci. À vous aussi. Choukran. Vous retrouvez le Maroc. Le groupe nous a semés. Oui. Noélie s'est arrêtée de faire des photos et voilà, on est perdu maintenant à cause de elle. Il faut dire que c'est un labyrinthe quand même. Ah, grave. On était déjà là tout à l'heure. Je reconnais la fontaine avec les gosses et les petits pistolets en plastique. Les Français ont acheté toute la gazbe. Presque toute la gazbe. Ils ont tout acheté. C'est la vérité. La différence entre la Casbah et la Médina, la Casbah c'est une forteresse, et la Médina ça veut dire ancienne ville où se trouve le marché. D'accord. Ah. Dans la Casbah, il n'y a pas de sucre de marché. Il n'y a pas de sous, ouais. Il n'y a que les petits épiciers qui vendent les petits trucs. D'accord. De l'eau, l'huile, par exemple, des petits trucs. Ouais, on a le petit soco et le grand soco. Alors, d'accord. Le petit soco, c'est le marché noir. Ah, ouais. L'échange, ouais, cigarettes, ouais, le whisky, ouais. Vin, tout. Et le grand soco? Le grand soco, c'est alimentaire, ouais, les poissons, les choses alimentaires, aussi les vêtements officiels. Et tu vis en guidant les touristes que tu croises comme ça? Ouais, je vis comme ça maintenant, ouais. Je n'ai pas de travail, je vis comme ça. Je parle anglais aussi bien, je parle anglais, I speak English also very well. Espagnol también, parle espagnol también, muy bien, perfectamente. Parlar italiano, piccolo, sprechen Sie Deutsch.